Nous allons quitter la ville la plus chaude de France pour aller à la surprise. Chaude de France ? Ouais, c'est la deuxième ville la plus chaude de France. De France. Madagascar. Tu me laisses continuer en plus. Non, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est vrai, parce que tu vois, c'est français aussi un peu. Mais ouais, je me suis dit, mais non, c'est pas français. Et du coup, aujourd'hui, on part à la surprise. Mais je crois que ça va pas être une bonne surprise pour tout le monde. On commence par quoi ? C'est quoi numéro 1 ? Le numéro 1 en fait c'est la grotte sacrée pour le peuple pour enterrer au début du temps. Mais en ce moment, ils ont changé l'endroit. Mais nous on va passer aussi voir là où ils ont enterré les gens avec les tôles et fermé dans un cercueil comme on l'avait dit. Ok. Voilà. Ah oui, c'est ça, je chante des musiques aux zébus. Ah ouais, il fait une chorale à ses zébus. Je sais pas si on va voir le petit monsieur. Il chante en fait pour qu'il se détourne, non ? Pour qu'elle mange bien. Je suis pas sûre que... Ici, on est sur un territoire de fossards. Du coup, en fait, le monsieur, il chante pas à ses zébus, genre, il crie pour faire fuir les fossards. Du coup, là, on va aller faire pipi dans la forêt, mais à tout moment, on tombe à nez avec un fossard. Eh bien... On a déjà une casquette de quelqu'un qui est peut-être... Non, pas ici, c'est là. On rentre là. C'est une casquette rouge. Ça veut dire quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est forcément... Il est un peu plus bronzé que moi, enfin ma peau. Parce que c'est une signification de la couleur de la personne qui meurt. Donc, primo, on va voir une casquette rouge quand on rentre. Dans mon côté droit. Ici, ah oui. C'est une signification. Et ça, c'est des vêtements. C'est bien. Et plein des ossements ici. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Ils se font tous emmener par l'eau. Il y a des personnes qui sont venues ici pour se réfugier. Mais ça me paraît bien long pour un fémur humain. Ça ? Ouais. C'est un humain, ça. Mais c'est des fois c'est long. Hein. Enfin, il y a des... Depuis le début du temps, les intacarnes ils font de l'enterrement dans la grotte et dans la roche. Ah, je glisse dans les crocos. Dans les crocos. Du coup, à droite, il y a le lac. Et à gauche, il y a la grotte où on a été. On se lave les mains pour nous faire à manger. Et ça, c'est notre petite aire de pique-nique. Oh, c'est égo. Bah oui. Non, ça colle. On est partout. Par contre, sur la peau, je suis pas sûre que ça soit agréable. Avec la tôle, mais la tôle c'est une verre tout seul parce que tu vois, on a tous ceux qui sont là, on voit bien. Mm-hmm. On voit pas. Hein. Ah, ici, on voit. Donc c'est toujours, je veux dire. Tu vas être content, tu m'as dit. C'est la fleur des morts. Non, c'est pas vrai. En fait, dans les grottes comme ça, il est censé y avoir plein de...
plein de cercueils en tôle, mais il n'y a rien du tout. On est arrivé dans notre village pour ce soir. C'est mercredi. Il a dit qu'on partait. Mais il a dit qu'il allait préparer les maisons là. Attends, la maison. Ça, c'est une sieste confort. Pour la biquette. Coulé, il a une coupe de cheveux, laisse tomber. La vraie vie à la malgache. Ah, ça va aller, ça va. Ça, c'est pas la bière du chien, c'est pas la bière. Tu vas essayer après. C'est dur, hein? On va attendre ici par eux ou... Non. Eh, hey, tu t'en... Ah non. Attends, arrête-toi pour faire. Inspire et c'est parti. Imagine, il y a des dames, elles font ça avec 50 kilos sur la tête. Non, 30 kilos, c'est ça qui est. C'est quoi ta main? Oh, lâche-moi, tu me fais mal. Oh, regarde la morsure que j'ai. Il t'a bien passé. Oh, vilain. Quelle idée de me dire de la trappe. Attention, Chouba, pas marcher sur la grenouille. Ouais, il y a qui t'attaque bien les grenouilles plutôt. Là aussi, il y a la grenouille. Ah non, t'as pas vu. C'est quoi, il y a un semé la vie. Le serpent, oui, c'est une question. Attention, le serpent, il vient d'un pot. Attention, le serpent, il a tes. Sacré bébé, hein, il est déjà stock. Hein. Il est beau, il a jolie couleur. Il se passe. J'ai la lumière de la gueule. Voilà ce qui se passe. On a changé de campement. On veut aller à un autre campement parce que le premier, enfin, ce que nous proposait, c'était pas un campement, c'était une baraque en tôle, un village.
Et bah là, il faut qu'on repasse au moins le passage à gué numéro 3, sauf qu'il a subi la marée et que là, il est trop haut pour qu'on puisse passer. Donc, on va attendre que la marée, enfin, que ça descende un petit peu. On est arrivé, voilà l'intérieur de notre petite cabane. On a un tout petit peu d'électricité, je crois que c'est... Oh ah, c'est le sombre, j'ai super. Un fauteuil comme ça, c'est ultra glauque. Juste devant la porte. Et du coup, notre porte, faut qu'on fasse gaffe aux moustiques. Et on voit rien, mais du coup, les darons, ils ont leur petite cahute aussi. Il est trop discret. Mais il est même trop chaud par rapport à... Ah, c'est pas moi qui fait le feu. Ça fait tiens. Tu l'aimes. Ça boule, ça. Ah, il m'a brûlé. Suicidaire. Et dire qu'avant on faisait ça pour brûler des gens. Ah bah chez nous en fait, un jugement local, on brûle avec le feu. Les viols, c'est pareil. Donc, évidemment, c'est un peu méchant parce que c'est pas comme. Allez, à table. Oui, si vous n'avez pas mangé avec nous, vous mangez avec nous, je préfère. Notre gardien de camp, il nous a fait une fête de la Saint-Jean là. Du coup là on prend notre douche, la bassine, bidon. Oh, sympa la couleur des orteils. Je vais pas filmer ça, ça va être censuré. Le fitio, on n'en voit pas. Et on a une cabane. Installation de la mosquitaire. Ouais. Mosquitaire de compète ça. On sait que ça se dit moustiquaire, on n'est pas. Tout va bien. Voilà, c'est. C'est à cause de moi en vrai qu'on a commencé à dire moustiquaire. C'est parce qu'on se moque des Léonards, voilà. Et les chiens ils font un bruit de fou derrière une heure. Bon bah sur ce, bonne nuit. Bonne nuit. Oh, c'est bien.